J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième ouverture de booster de Zenith Supreme. Cette extension qui est oufissime, clairement. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'ouvrir les tri-packs avec les pins que j'ai pris chez Pokémon. C'est évidemment la boutique partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas, petit code promo, le lien est dans la description. Et vous avez un petit cadeau offert lors de vos commandes. Donc n'hésitez vraiment pas à passer par là et utiliser mon code, évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris les trois tri-packs. Donc celui avec les trois starters, donc de Gorythmique, de Lézargus et ensuite de Pyrobut avec les petits pins qu'on va regarder de plus près. Je collectionne les pins donc j'allais le prendre clairement. Et puis on a des cartes promo à chaque fois, 3 boosters par tri-pack. En même temps c'est logique, c'est écrit dans le nom. Et du coup bah moi je vais délister tout ça et on se retrouve avec tous les items pour s'ouvrir ces 9 boosters. Ok, du coup c'est bon, on se retrouve avec tout qui est déblisté, les cartes promo, les petits pins aussi, d'ailleurs il y en a un qui était tombé. On va regarder ça de plus près et j'ai pas mélangé les boosters pour tout simplement voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans chaque tri-pack. Mais on commence par Gorythmique avec le pins, donc c'est le Pokémon, le starter que j'aime le moins parmi tous les starters qui existent au monde. Clairement, il est pas beau, j'étais dégoûtée parce que j'adore Whistempo, c'est un de mes préférés en petit starter, mais enfin starter de base on va dire. Mais bon, en tout cas je l'ai, je collectionne les pins donc je le prends, je l'ai pris évidemment. Et du coup on a la carte promo, donc voilà, avec un holographisme. Alors il n'y a pas de petit point, c'est juste tout simple, tout lisse l'holographisme. Mais bon, la carte après, le dessin, le style de dessin est plutôt pas mal, même si j'aime pas trop le Pokémon. Il est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, ensuite, petite carte à code, je vous la donne. Je vais vous les donner. Et après, on a les trois boosters comme ceci. Hop là. Je vous montre les autres quand même. En même temps, avant d'ouvrir les boosters. Donc après, on a les Argus avec le pins qui est vraiment tout fin du coup. Bah, en même temps, vu le Pokémon. Bon, je l'aime pas trop non plus, hein, ce starter. Genre, franchement, la 8G, c'était pas ouf niveau starter, je trouve. Bon, la 9G, c'est pas forcément mieux. Bon, si, le chat, Pousse à chat, il est trop trop bien. Et même Miascarade est trop trop bien. Mais bon, voilà pour le petit pins de Lézargus et sa petite carte promo qui est vachement sombre. Hop, d'ailleurs, le focus, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, il va nous faire une prise, là. Hein. Clairement, il va nous faire une prise. Bon, après, assez stylé aussi. C'est... Non, c'est pas du même illustrateur. Mais pareil, l'holographisme, on le voit pas tant que ça. C'est vraiment à la lumière qu'on voit bien que c'est de l'holographisme. Pareil, pour la carte, je vous la donne. Donc, n'hésitez pas à faire pause. Donc, attendez, parce qu'il faut que je me repère. On a Gorythmique, Lézargus. Et le dernier que je préfère quand même, c'est Pyrobut. Voilà, avec son ballon au pied et tout. Bon, ça pose très footballeur, évidemment. Hein. De toute façon, c'était l'image que voulait le Pokémon, en tout cas. Mais très fin aussi, comme Pins. En tout cas, Pyrobut, c'était mon préféré parmi les trois. Même si c'est pas le meilleur starter de toutes les générations. Et sa carte, j'aime bien. Franchement, il est à fond. Là, il vient de marquer un but, je pense. Hein. Là, clairement, il vient de marquer un but. Ah, mais si, on a des petits points. Attends, sur celui-ci, on dirait qu'on a des petits points sur les autres. Si, on a des petits points, mais ils sont tellement... On les voit tellement peu qu'on voit pas. Enfin, genre, je pense que vous avez compris. Mais ça se voit un petit peu de près, mais hors caméra. Oh là là, ils sont mal faits. Franchement, l'holographisme, là, si c'était vraiment l'holographisme des petits points, il a été mal fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait peut-être, je sais pas du tout. J'allais dire des bêtises. En tout cas, on a trois boosters à chaque fois. Et du coup, eh bien, on va commencer avec les boosters de Gorythmique. C'est parti, j'espère qu'on aura de la chance. Je rappelle, mais je cherche toujours comme carte, surtout ultra rare, je cherche la Manaphy et la Mew. Et potentiellement la Loclash, je l'avais oublié, elle est trop trop belle. Je vous donne certains codes aussi. Et j'en garde certains, donc n'hésitez pas à les prendre. Et 1, 2, 3, 4, on passe devant. En tout cas, j'espère qu'on aura de très belles cartes. Pas de double, s'il vous plaît. Et ça serait déjà génial. En tout cas, Gravalanche, Attrape Pokémon, Malamandre, très jolie illustration. Potion Galekid de Soso, le petit écrapince. Ensuite, on a Recherche d'énergie, un sécateur. Je crois que c'est ici. Oh, oui, on a une GG. On a une GG. Et il s'agit de un seul lourdeau. Bon, c'est pas la meilleure, mais on commence un peu fort quand même avec une GG. Elle est drôle quand même, hein, avec les un seul lourdeau qui sont un petit peu partout. Elle est très très jolie quand même comme illustration, donc ça fait plaisir. Et derrière, nous avons une rare holographique avec Pierre Scellé,
Céleste que je n'avais pas. Donc on va prendre. Ah ouais, elle est jolie quand même. Hein. Ah mais j'avais pas vu, il y en a un ici aussi là. Je sais pas si vous... vous le voyez, mais il y en a un ici. En fait, la carte c'est cherche et trouve les insos lourdeaux. Bon non, je pense qu'il y en a vraiment que 4. Après, il y a un petit Ptera ici en figurine, un Ammonistar et tout. Franchement, avec la carte, je crois que c'est la carte de Paldea ça. Ça a l'air d'être ça, non? Ah, je sais pas. Je sais pas, j'ai un petit doute. En tout cas, on commence avec une petite ultra et ça fait grave plaisir. Ça fait super plaisir. Donc voilà, on va la mettre de côté. On met sous sleeve aussi quand même les holographiques. D'ailleurs, j'ai pas mis les promos. Bon, je les mettrai après. Je les mettrai sous sleeve après. Hop là! Allez, premier booster. J'espère que ça veut dire que la chance est là avec nous aujourd'hui. Hop là. Hop là. Je défonce les boosters. Clairement, je défonce les boosters. Comme je vous dis, je garde quand même quelques codes pour moi. Je sais pas si je les utiliserai. Mais au cas où, je préfère en garder un petit peu. Donc, énergie électrique. Trouboseur. Ah, j'aimerais beaucoup les full art amis de... Dissui, amis de Galar, je crois, ou Paldea, je sais plus. J'aimerais trop ces full art là aussi, elles sont trop belles. Girafarig, Watapic. Ensuite, nous avons Emolga, il est beaucoup trop chou. Love Disc, Pijako de Sui, le petit Yanma, hop, c'est pas encore. Scalpion, est-ce qu'on a. Oh, on a quelque chose en punaise! Ah, cette vidéo elle va être trop bien, je sens. En tout cas, ce tripack de Gorythmique, je crache dessus à chaque fois parce que je l'aime pas, mais là, il nous envoie du lourd. Et du coup, nous avons Lona en full art. Elle est trop belle. Oh, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ah, j'adore. En plus, c'était une de mes championnes préférées de épée bouclier. Avec le petit bec à glaçon ici. Franchement, trop trop chou. Je regarde un petit peu. Je crois qu'il y avait un autre Pokémon qui était caché dans la... Ah, si, là. C'est le petit Frissoni, là. Oh, elle est trop belle. Les détails qu'il y a sur la carte, elle est magnifique. Franchement, trop bien. Et derrière, du coup, nous avons Leopardus, une rare que je n'avais pas encore. Donc, ça fait plaisir. Oh, mais cette full art. Oh, magnifique. Elle est trop, trop belle. Oui, c'est vrai que celle-là, franchement, je voulais bien l'avoir. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Elle est magnifique. Bon, deux boosters de GG, les gens. Deux boosters de GG. Est-ce que le troisième renferme une troisième GG? Hop là. Après d'ailleurs aussi, il y en a beaucoup qui parlent des gold et tout. Par rapport au gold, moi j'avoue que je suis pas ultra fan des designs des gold. Il y a que la Arceus que je trouve vraiment insane. Les autres, alors en tout cas des images que j'ai vues sur internet, je suis pas très fan. Donc si je les ai pas, c'est pas grave, tu vois. Mais par contre la Arceus, par contre ouais, est insane. Elle a l'air insane. En tout cas, Luxio, valise de secours, Lampérois, Pokéball. Manglouton, oh je crois que je l'avais pas eu Manglouton encore, Cerebou, non mais cette illustration je suis sûre, elle a été utilisée 3 fois au moins, un truc comme ça, le 9-9, genre trop bien, genre sur la branche et tout là, ensuite récupération d'énergie et là je me disais il y a un holographisme là quand même quelque part. Chrysapile radieux les amis, on tombe quand même sur une shiny, malheureusement je l'ai déjà, j'aurais préféré avoir le Dragofeu shiny, j'aimerais trop l'avoir celui-ci évidemment, mais bon, j'aime bien après la carte, j'aime bien le fait aussi que le shiny, le Chrysapile change énormément, donc ça rajoute vraiment, bien que ce soit un Pokémon nul, enfin genre il sert à rien, personne ne se souvient de lui, et bien là ça le fait cool quoi, tu vois je suis contente de l'avoir, bon malheureusement elle est en double, donc du coup je la mettrai sur mon Vinted, n'hésitez pas, il y a plein de cartes en vente encore, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà, et derrière, on a une V, on a Rongrigou V, oh mais il est trop mignon. Alors, franchement, cette V, je la trouve grave chou. Regardez-moi ce regard qu'il a, il est en admiration devant des B, j'imagine, parce que je sais pas si c'est cette B là qui regarde, ou s'il regarde plus loin, mais avec toutes les B autour et tout, franchement j'adore cette carte. Cette V là je la voulais bien aussi. Oh là là. Et franchement, Gorythmique les gens, Gorythmique. Mais what? On va dire GG Gorythmique dans le chat. On n'est pas sur Twitch. dans les commentaires. Alors on va voir ce que nous donnent les autres. Mais là déjà un booster, enfin un tripack insane. J'avais entendu dire qu'il y avait des tripacks qui étaient vraiment très chanceux.
Mais là, au secours quoi. Au secours. Beaucoup trop bien. Allez, on enchaîne avec du coup le tripack de Lézargus. Est-ce que lui... Oh là là, mais regardez-moi ça. Et franchement, je ne comprends plus comment on ouvre des boosters. J'ai oublié, je pense. J'ai oublié comment on ouvre des boosters correctement. Hein. Hop là. Allez, petit code pour vous cette fois. N'hésitez pas. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Une énergie plante. Ensuite, Céléroc, Solaroc. Bah, ils vont ensemble. Hein. Super Bonbon, Galvaran, Moumouton. Trop chou comme ça. Le petit Lixi. Ensuite, Pan d'Espiègle. Non, c'est pas encore. Stalgamin. Et juste derrière, ce qu'on a une GG. Le Dragonfeu Shiny, les gens. Je suis trop contente. Mais j'en parle juste avant. Mais what? C'est quoi cette ouverture? Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop... On a quelque chose derrière, les gens. Je crois que j'ai vu briller. Attendez, les gens, on a quelque chose derrière, je crois. On a une V-Star derrière. On a... Attends. Ah, je m'en rappelle plus. Il y a quoi comme V-Star? J'espère que c'est la Philali. Ouh. Oh, c'est Amazenta V-Star. Ok. C'est pas ma préférée. Mais on a Radieux plus Vestar derrière. Mais what? Oh là 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 là, c'est insane. C'est insane. Oh, j'aurais clairement préféré la Philali, j'avoue. Mais ah oui, mais c'est ça aussi. Les Vestar Full Art. Givrali et Philali. Oh là, surtout la Philali. La Philali est beaucoup trop belle. Je crois que ça fait partie des GG, hein, si je dis pas de bêtises. Mais là, la Philali, je l'aimerais trop. J'aimerais trop la voir, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Mais trop bien. Trop bien pour le Dragofeu. Ah, ça c'est super ça. Oh là là. Bon, ok, les Argus. Les Argus, tu commences très bien aussi. Donc ça c'est cool. Et du coup la Zamazenta V-Star. Bon, elle est assez stylée. Après je suis pas ultra fan de Zamazenta en lui-même. Et puis même, il y en a certaines qui sont quand même mieux, j'avoue. Donc voilà, mais elle fait plaisir, je ne l'avais pas pour l'instant. On a bah, des ultras à chaque booster, clairement. Ah oui, non, c'est que je l'ai ouvert à l'envers. Je me dis, pourquoi je vois un Pokémon, là? Hop, allez, celui-ci, je vous le donne aussi. J'espère que vous serez aussi chanceux dans le JCC Online avec ces codes-là. Hop là, allez, c'est parti pour ce... cinquième booster, c'est ça, je crois. Donc, Watapic attrape Pokémon Scalproix Venalgue. Très, très moche. Hein, on va pas se mentir. Et j'ai embarqué Galvaran. Ok. Ensuite, Moumouton, Lixi. On voit souvent les mêmes. Hein. Est-ce que c'est là? Non, je crois que c'est pas encore là. Non. Ah non, c'est une reverse. Pan d'Espiègle. En reverse, on a Ami de Sinnoh. Elle est trop belle, cette illustration. Mais je veux la full art, s'il vous plaît. Et derrière, du coup... On a une petite V quand même et il s'agit de Zeraora V. Oh là là, oh punaise, la Zeraora V Max aussi. Oh, je l'aimerais trop celle-là. Mais la Zeraora V fait très plaisir aussi. J'aime beaucoup ce fabuleux, donc ça fait grave plaisir. Bon, pas de GG pour ce booster, ni de Shiny, mais une petite V quand même. Donc là, ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais séparer aussi... Les ultras qu'on a par tripack, comme ça on fera un point à la fin. Hop là. Mais oui, hein, là ça va. Est-ce que vous, je suis la seule à aller défoncer les boosters à chaque fois ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires. Donc 1, 2, 3, 4, on passe derrière. Et c'est parti, sixième booster les gens. Aspirateur perdu, pardon, j'ai bugué, j'ai cru que j'avais emmené quelque autre chose. Luxio, Métang, elle est très jolie la carte de Métang. Misterbe, Otaria. Ensuite, Potion, Galekid de Soso. Hop là, c'est pas encore. Et Crapince, est-ce qu'on a quelque chose? Non, c'est une reverse avec Attrape Pokémon. Et en dernier, ah mince, nous avons une rare lambda avec Argus, mais je ne l'avais pas. Donc on va dire que ça complète la collection. Alors par contre il a l'air très fier là. Genre là c'est moi le boss. Ou un truc du genre. Bon, les Argus étaient quand même un poil moins bien pardon, j'ai oublié son nom, que Gorythmic. Mais il nous a quand même filé le Dragonfeu Shiny. Est-ce que ça rajoute pas un petit plus? Bon, on passe aux trois derniers boosters. Donc à ceux de Pyrobut, j'espère qu'ils vont me porter chance aussi.
Et c'est parti, on passe devant. On veut un petit Manaphy ou un petit Mew, s'il vous plaît. Solarock, ensuite Aspirateur Perdu, Luxio, Otaria, Potion, hop là, Galekid, Écrapince. Non, c'est pas encore. Recherche d'énergie, est-ce que là on a quelque chose? Et non, une reverse avec Lugarok. C'est une rare reverse. Ok, je sais plus si je l'avais, Lugarok. Et derrière, du coup, nous avons Luxray. En normal, j'allais dire en graphique, mais pas du tout. En normal, elle est très stylée l'illustration, je ne l'avais pas. Et bah écoutez, ça complète la collection, hein, il faut se dire ça. Bon, ça commence mal pour Pyrobut par contre là. Allez, genre là vous m'avez trop donné au début, je veux autre chose en fait. Je veux un petit plus. Je veux une autre carte. Hop là, la dernière, le dernier code je vous le donnerai juste après parce qu'on est à l'avant-dernier booster. Donc Maillet, Écrasant, Vortante, ensuite Super Bonbon, hop, Galekid, Riolu, oula, là c'est devenu flou là. Mais what? Reviens. Reviens, Étourmi, j'ai mon paquet qui est en train de se casser la gueule, Insécateur, mince, on a une reverse, j'ai vu Emolga. Donc, reverse avec Faiza. On n'avait pas la carte dresseur, donc c'est cool. Je sais pas pourquoi ils ont mis des... J'avais vu sur les images qu'ils avaient mis des inscriptions sur les cartes dresseur de certaines. Et derrière, du coup, et mince, nous avons le Luxray de Sui, que je crois je n'avais pas non plus. J'ai un doute là, par contre. J'avoue, j'ai un doute sur celui-ci. Très, très jolie illustration. Il est vraiment trop mignon. Bon, bah je pense que, en tout cas, à part s'il me sort une dinguerie là... Je pense que Pyrobut a perdu l'un. Clairement, je pense que Pyrobut a perdu l'un. Hop là, petit code. N'hésitez pas à le prendre. Hop là. Ah, j'arrivais pas à prendre la carte. On passe devant et c'est parti pour ce dernier booster. Allez, une dernière ultra, s'il vous plaît. Chaussures de randonnée. Shymin, ami de Isui. Oh là 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 là. Je veux la full art. Je veux les full art. Lixi, Pandespiègle, Stalgamin. Hop, ensuite Rokabou qui hurle à la lune, sac de nœuds et... Oh, on a quelque chose. On a quelque chose, qu'est-ce que c'est? On a plus de lit. Oh non, l'illustration est tellement moche. Oh mince. Plumeline. Bon, ok, c'est une GG dans tous les cas, donc on prend. Mais... Et encore, je trouve que c'est pas la pire qu'il fait, hein, cet illustrateur-là. Ça passe encore. Mais Plumeline est tellement beau comme Pokémon. C'est moche de le mettre comme ça. Et du coup, derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Et non. Nous avons un Venalgue que j'ai déjà, je crois. Un Cravarèche, pardon. Pas Venalgue. Ok, eh bien, on a quand même fini avec une petite GG. Mais pas de Manaphy, de Mew, les gens. C'est... Là, ça fait mal quand même. Ça fait un petit peu mal, on va pas se mentir. Hein. Hop là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand même... Sur les 9 boosters qu'on s'est ouverts, on a eu quand même pas mal d'ultra rares et de shiny. Voilà, donc on va faire un petit point. Du coup, petit point de fin de vidéo sur tout ce qu'on a eu. On a eu une seule holographique, d'ailleurs, hein, dans ces 9 boosters avec la pierre scellée céleste. Après, on a eu 2 shiny, donc un que j'ai déjà qui se retrouvera sur mon Vinted, c'est sûr. Le Chrysapile radieux et le Dragofeu radieux qui fait ultra plaisir, ça, clairement. On va pas se mentir. Ah, j'ai un poster qui est tombé. Je pense que vous l'avez entendu. Ouais, franchement, il est magnifique. J'adore. En plus, sur le fond enneigé, sa couleur noire ressort vachement. Et ça, c'est trop bien. Ensuite, on a eu quelques V avec le Zeraora V, du coup, et le Rongrigou V. Franchement, de très belles V. Donc, je suis très contente de ça. Une petite V-Star avec Zamazenta V-Star. Dommage que c'était pas la Philali. Ensuite, on a eu quelques GG avec la Plumeline GG et le Insolourdo. Et la meilleure, clairement, des GG, c'est la Full Art de Lona, qui est magnifique, qui est clairement ma carte préférée parmi tout ça. Là, elle est trop belle. J'aurais trop aimé, voilà, avoir Ami de Galar et tout, là. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera peut-être pour une prochaine. Là, actuellement, je n'ai plus rien en booster Zénith Suprême. Mais il y a de grandes chances que je refasse une petite commande. Et puis, il y a d'autres boosters, d'autres coffrets qui vont sortir au fur et à mesure dans les semaines qui arrivent. Donc, du coup, j'espère pouvoir me les prendre. Dans tous les cas, je rappelle, mais le lien de Pokémon, c'est dans la description. Donc, n'hésitez pas à passer commande avec mon petit code promo. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre carte préférée parmi les tripacks
parmi les celles que j'ai eues, les ultra rares que j'ai eues. Moi je vous dis, c'est la Lona là qui est oh magnifique. Je suis trop contente de l'avoir. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, eh bien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.